Dozens of tractors have sealed off streets close to European Union headquarters in Brussels. That's where the 27 EU agriculture ministers are planning to discuss the crisis in the sector that has led to months of protests. The farmers are protesting anything from what they see as excessive red tape to increased environmental measures, cheap imports, and unfair trading practices. With protests taking place from Finland to Greece, Poland, and Ireland, the farmers have already won a slew of concessions from EU and national authorities, from a loosening of controls on farms to a weakening of pesticide and environmental rules. Alors si on est à nouveau là aujourd'hui, c'est peut-être plus pour adresser un message à la société. Si vous voulez que les politiques européennes aillent dans la bonne direction et ne soient plus uniquement le bras armé de l'industrie et des multinationales, eh ben, il faut changer le pouvoir à la Commission et écarter ces gens qui ne prônent que l'ultralibéralisme dans les politiques européennes, qu'elles soient intéressées à l'agriculture ou à d'autres domaines de la société. Donc on est venu pour maintenir la pression parce qu'ils ont compris notre problème, mais voilà, on attend d'avoir du concret. Vraiment, on a un peu des solutions, mais pas de concret. Donc on vient ici pour montrer qu'on veut du concret, donc j'espère qu'ils vont comprendre. On aide beaucoup l'Ukraine, comme vous le savez, d'un point de vue militaire. Et c'est nécessaire d'aider l'Ukraine pour des questions militaires, parce qu'il faut que l'Ukraine gagne cette guerre. Par ailleurs, on l'aide aussi sur des questions économiques, en particulier la question agricole, puisque l'agriculture ukrainienne est une agriculture puissante. Mais il ne faut pas que ça vienne déséquilibrer les marchés, parce que si on vient perdre le soutien de l'opinion publique, et si on vient perdre notre agriculture européenne, ni les Ukrainiens, ni l'Europe n'y a intérêt. Donc c'est cette position d'équilibre qu'on tient, et que je crois qu'est une position juste de soutien indéfectible à l'Ukraine, mais pas au prix, d'une déstabilisation des marchés qui soit trop forte et qui vient se retourner contre les Ukrainiens. D'ailleurs, it's important we work together to continue to support Ukraine. It's also important that we take on board the concerns of farmers and member states working with the Commission and Presidency are looking at that in detail. And I'm really confident there'll be a strong outcome which will support Ukraine and indeed listen to the concerns of farmers too.